Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne de gaming 100% réalité virtuelle, c'est Kewan. Alors aujourd'hui je suis super content, on va refaire un petit peu de l'Assetto Corsa Competition. Et puis je suis avec le Quest 2, avec le Link, donc on va tester ça. Les graphismes au niveau du Link dans l'Assetto Corsa, au niveau des menus, au niveau de l'intérieur de la bagnole, vous allez voir, c'est juste magnifique. On va voir tout ça ensemble. Toujours à bord de la Nissan GTR. Allez, let's go! Si tu aimes mes vidéos et que tu souhaites soutenir la chaîne, il suffit de t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Voilà, alors on est avec le casque Oculus Quest 2. Donc, fantastique hein, déjà. Ce que je vois déjà à l'image, c'est tout juste énorme. C'est la première fois que c'est aussi net que ça. Là, on est dans notre espace d'exposition. Donc, d'artefacts, pas l'anti-aliasing. Je l'ai pas mis au maxi, hein, je l'ai mis vraiment au minimum. Je suis en 90 Hz, hein, dernière mise à jour de l'Oculus. Donc on bénéficie des 90 Hz. Donc écoutez, l'image est tout juste fantastique. Alors on va quitter ça et puis on va aller se mettre un petit peu en course. On va se faire une petite course pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on est à l'intérieur de la Nissan GTR Nismo. Alors que vous dire, l'intérieur il est fantastique. Fantastique, fantastique, tout y est, les détails sont magnifiques, vraiment, mieux qu'avec le Rift S, mais vraiment rien à voir. Là, je suis dans la bagnole. Là, c'est énorme. Énorme, 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 énorme. Non, vraiment, vraiment bluffant. Vraiment, la qualité, mais elle est exceptionnelle. Le menu, on a l'impression d'être sur un flat. Sur un écran normal d'ordinateur, vraiment là, sans trop lâcher de fleurs à l'Oculus Quest 2, franchement pour le coup, ouais, magnifique, magnifique. Alors là, je me suis mis à l'intérieur du jeu à 140% au niveau de la densité de pixels. Par contre, sur le casque Oculus, j'ai rien touché. Je me suis juste mis un 300 en débit dans le debug tool, voilà, l'Oculus Debug Tool. C'est tout ce que j'ai fait pour le moment, pour voir un peu les performances. Alors déjà pour le coup là, mieux que le Rift S, mais vraiment, vraiment, rien à voir, rien à voir. On a vraiment l'impression d'y être. Alors maintenant on va voir au niveau de la conduite, au niveau des lags. Alors graphiquement là c'est une tuerie. Going double fire. On va voir ça ensemble. J'ai mis un quart d'heure de course, 90% d'agressivité et de compétences pour l'IA. Largement suffisant pour moi. Ça fait longtemps, hein, comme je vous l'ai dit, que j'ai pas retouché assez tôt pour ça. Competition. Donc, pardonnez mes erreurs parce que je pense pas être au top. Green light, go, go, go. Car on the right. On the right. Déjà là. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. C'était pas très fair play ce que j'ai fait. Car on the left. Clear on the left. Oh, qu'est-ce qu'il freine là? Mais c'est pas possible, il s'est mis à piler. J'espère qu'on va pas trop avoir de dégâts. Oh là là, mais c'est magnifique, vraiment. Car on the right. Clear on the right. C'est magnifique, magnifique. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de la course parce que. Jamais facile à démarrer. En milieu de peloton, on a vraiment surpris là le freinage très appuyé qu'il a fait. Les pneus sont froids, hein, je vous le rappelle. Ah,
Grosse attaque, hein, là. Voilà, je sais qu'on peut pas doubler tout de suite. J'ai un peu coupé, là. Car on the left. Clear on the left. Ça revient, coup de volant revient. Ok. Allez, on y va. La BM, on va essayer de se manger la BM, prendre son temps, un quart d'heure, hein. C'est court, mais en même temps, ça peut être super long. Car on the left, clear on the left. Voilà, c'est bien fait aussi, ça. Voilà, mais vraiment le pire. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais mieux que le Riftless. Ouais. Vraiment fantastique. Car on the left. Clear on the left. Voilà, là ils me disent faut que je fasse attention là, j'ai trop flirté avec les limites du circuit. Donc j'essaie de rentrer mieux dans mes virages. Car on the left. Clear on the left. Voilà, c'est passé aussi, ça. C'est de recoller là, pas facile, pas facile. Fastest lap of the race, man, good job. Je suis sur un bon rythme là. Vraiment le bon rythme. Continuer d'améliorer les chronos. Merco, Mercedes devant. T'accélères fort. Clear on the left.
Allez, on remonte, on remonte. Belle course. Fastest lap of the race. Great job, man. Car on the right. Clear on the right. We are at the halfway mark. Keep pushing. C'est bien. Ils vont me coller au train là. Allez, c'est bien. Je suis très concentré là. J'ai fait une grosse blisse, grosse erreur. Du coup, ça revient très très fort. Trajectoire encore. Ça va, on s'en sort bien. On s'en sort super bien. On commence à glisser là. On s'en sort super bien pour le moment. Toujours être très doux hein, sur le volant. Un peu de temps, là. Ah, c'est sorti plus fort que tout à l'heure. Enfin, la moindre erreur, hein. Si je fais la moindre erreur, l'IA va se charger à me rappeler à l'ordre. Là, c'est magnifique, hein. Le soleil rasant là. Magnifique. Magnifique. J'en prends plein les yeux.
je suis sorti large. Super. On continue. Écoutez, le Quest 2 tient toutes ses promesses pour le moment. Petite glisse encore. J'espère que vous prenez plaisir à regarder la course. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous en refasse des courses comme ça. Oh là 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 là! Je vais recommencer à souffrir, je pense. Ça gère. J'essaie de profiter un peu de ce que le casque m'offre. Je sais pas combien de minutes j'en suis de course là. Ça revient derrière, on dirait. Ça y est, je commence à connaître bien les virages. Assez cool. Et voilà. C'était le dernier virage. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose avec les... avec les autres. Super course, hein. C'était vraiment génial. J'ai vraiment pris un pied de malade. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis, un niveau rendu dans le casque, c'est tout juste fantastique ce que j'ai pu avoir là dans les yeux. C'était magique, une course magique. On a fait 9 tours. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis lâchez des pouces bleus, hein, ça aide pour le référencement de la chaîne. Activez également la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Vous pouvez également rejoindre le Discord. On vous accueille avec plaisir, hein, une communauté grandissante. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous verrez, on s'amuse bien, on fait plein de jeux. C'est super. Et puis, écoutez, à la prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.